come away with me in the night. Come away with me, and I will ride you. Bonjour Christelle Ballesteros. Le réalisateur me dit là, si tu la chopes pas avec cette musique, c'est que. Je sais pas, il a l'air d'hésiter. Nora Jones, ouais. Je crois. Je n'ai jamais dit ça, Thomas, c'est moche. Je fais de la force. Quoique. Je vais commencer à monter. Je voyais ses mains, voilà, comme dans Ghost. Je voyais ses mains, j'entendais plus rien, j'étais complètement... Vous avez fait une boulette avec un client. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Bah, ce monsieur est passé à ma caisse avec ses achats. Il y avait une rose. Ah, bien. Et il y avait un tube de vaseline. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on est en période de fête et bon, oh, j'étais oui, un vous peu, savez, dans voilà. Ces cas-là, on offre souvent une rose et un pot de vaseline. Et alors ensuite? Et comme ça, pour engager la conversation, je lui ai dit gentiment, vous vous préparez une bonne petite soirée? Chose que je n'aurais pas dû faire, parce qu'il m'a dit bien la rose c'est pour la mettre sur la tombe de ma mère et la tube à vaseline c'est pour mettre sur l'appareil de respiratoire de mon père. Oh. La boulette. Je ris parce que c'est horrible. Oui, mais je ris maintenant, mais sur le coup j'ai pas ri du tout. Je peux pas le montrer à tout le monde. Il y a trop de cœur. Eh, hey, j'ai le titre officiel de meilleur animateur du monde. Merci Nelly. Il y a que toi qui le penses, mais c'est gentil en tout cas. Merci Madouce. Merci. Je te ferai un bisou après, comme ça je sentirai aussi ton parfum. Voilà. T'es vieux papy. Bonsoir. Ce soir, un seul titre, l'attaque. Ce matin, de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce journal y sera presque entièrement consacré. Deux hommes ont pris en otage 5 personnes avant d'exécuter le prêtre et de blesser grièvement l'un des fidèles. Ils ont été abattus par la police. Soyons ensemble les derniers à pleurer. Et soyons ensemble les derniers à être debout contre la barbarie et dans le respect de tous. Nous sommes face à une épreuve, une de plus, parce que la menace, elle est très élevée. Et elle reste très élevée. Après tout ce que nous avons vécu ces derniers jours et même ces dernières années. Nous sommes face à un groupe Daesh qui nous a déclaré la guerre. Nous devons mener cette guerre. Par tous les moyens, dans le respect du droit, ce qui fait que nous sommes une démocratie. Je vous dois aussi cette vérité. Cette guerre sera longue. Ce qui est visé, c'est notre démocratie. Elle est la cible. Elle sera notre bouclier. C'est notre unité qui fait notre force. Alors, Françaises, Français, faisons bloc. C'est ainsi que nous gagnerons la guerre contre la haine et contre le fanatisme. Car je vous l'assure, cette guerre, nous la gagnerons. Vive la République et vive la France. Déporté, D-E-P-O-R-T-E-E-S. Désespoir, D-E-S-E-S-P-O-I-R. Un petit moral en ce moment. Oui. Mais ça veut dire aussi que les Français, si nous parlons de guerre, ils doivent intégrer que nous sommes, d'une certaine manière, dans une guerre, changer leur habitude. Ça veut dire que toute manifestation, si elle ne peut pas être aujourd'hui sécurisée, elle ne pourra pas avoir lieu. Bon alors là, c'est les premiers tirs de cette nouvelle arme qui a été développée ici en Inde, qui s'appelle Sans Peur. C'est une arme qui reprend le nom qui a été donné à cette jeune fille qui a été violée dans les bus de Delhi. Donc elle s'appelle Sans Peur parce que dans le bus de Delhi, eh bien, elle s'est battue et elle a mordu 3 de ses assaillants. Elle s'est battue jusqu'au bout et c'est une arme spécialement développée pour les femmes.
Est-ce que c'est biodynamique d'uriner sur des pieds de vigne? C'est un bon engrais ou pas? Oui. Hey, t'as de la pression, toi? Ça, c'est vigne, là. Ça va être un bon cru cette année. Allez, on va boire une bouteille, on va voir autre chose. J'ai l'impression d'assister à une émission de Top Chef, celui qui fera le meilleur opium. Allez, dites-moi. Oh, bah si, entre nous. Vous avez l'habitude de faire ça. Vous le prenez pas mal, hein. Vous voyez, les grands-mères, ils ont des conneries dans la tête. D'habitude, pendant mes voyages, on m'offre un thé, partager un repas. Ici, apparemment, la tradition, c'est de partager de l'opium. Donc, je vais devoir goûter pour ne pas les insulter. Mais c'est vrai que, comme c'est une drogue dure, je ne sais pas exactement comment je vais survivre le truc. Allez, like this? OK. Question pour l'autre. Dans la chaude nuit d'Abu Dhabi, la silhouette effilée de Solar Impulse. À 2h du matin, l'avion entame sa descente. Ainsi s'achève une aventure extraordinaire, le premier tour du monde aérien sans carburant. Jusqu'ici, tout va bien. En revanche, je ne sais vraiment pas quelle quantité je peux en fumer, hein. Bon, tout le monde a l'air d'être de plus en plus défoncé, donc je crois que ça va être un bon moment pour moi de dire au revoir.